Salut les gars, Hypercloon Gaming là avec vous là. On se retrouve aujourd'hui ici les gars pour un glitch des duplications massives, ok? Les gars, c'est le même glitch que j'ai posté avant, sauf on a fait un petit changement là, ok? Donc les gars, pour réaliser ce glitch là, il faut l'aide d'un ami, ok? Donc là, moi je n'ai Julien Ghost, ok? Merci Julien, que ça fait partie de la team Hypercloon. Il est là en train de m'aider sous ce glitch là, à réaliser ce glitch là. Pour vous, ok. Donc les gars, pour réaliser ces glitches là, les gars, il faut que vous avez aussi, les gars, un son d'opération mobile, ok. Un bunker et un son d'opération mobile. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut sur le son d'opération mobile, ok. Regardez, il faut le son d'opération mobile et module 3 des peu de véhicules personnels, ok. C'est très important. Les gars, aussi les gars, je vous conseille pour dupliquer les voitures qui sont plus rentables aussi dans le jeu. C'est la Isis, ok, tunée et transformée la Renoir à fond. Et aussi la Sloven tunée à fond, ok. Il faut que vous la tunez, ok. Là les gars, pour que je fasse ce glitch là, qu'est-ce qu'il faut le faire? Les gars, c'est important. Il faut pas mettre des Fadio dans le QG, ok, dans la sede du club du motard, ok. Dans le QG, il faut pas mettre de Fadio, ok. Vous mettez des Fadio dans une garage, n'importe quel garage, ok. Moi j'ai mis, vous pouvez mettre dans l'appartement, vous pouvez mettre où vous voulez, ok, des Fadio. Moi, regardez, moi je vais mettre dans mon garage de la Renoir, ok. Vous n'êtes pas obligatoirement de mettre dans la Renoir, ok les gars, c'est moi qui va le mettre, ok, dans l'atelier de la Renoir. Regardez, moi j'en ai déjà 1, 2, 3, 4. Il est sans chaise. J'en ai aussi là-bas. J'en ai deux. Je vais remplacer une sans chaise. J'ai besoin qu'il y ait une seule sans chaise, ok. J'ai mis sans chaise couleur, les gars, pour pas me tromper, ok. Comme ça, je sais bien qui c'est la sans chaise que j'en ai en couleur. C'est la seule sans chaise. J'ai pas d'autre, ok. Et là, les gars, regardez. Elle est là, la sans chaise, ok. C'est celle-ci là, la sans chaise que j'ai utilisée. Mais vous pouvez utiliser le véhicule que vous voulez, ok. C'est pas grave. Moi j'ai mis un club de moteurs, j'ai mis un moto parce que c'est plus facile à appeler à chaque fois pour mon poteau. Il n'y a pas de limitation, ok. C'est pas limité, c'est pas illimité, c'est limité, ok. Excusez-moi. Donc là les gars, là maintenant je vais vous montrer dès que vous avez tout ça. La voiture que je vais dupliquer, les gars, elle est dans mon son d'opération mobile. Il faut que vous mettez la voiture que vous voulez dupliquer dans le son d'opération mobile, ok. C'est important. Donc là les gars, je vais vous montrer maintenant la partie de Julien, ok. La partie que Julien est parti dans le casino, parce que pour faire ce glitch là, pour bugger l'ami qui va bugger, il faut qu'il aura aussi la suite du casino, ok. Avec les garages, ok. Il faut une garage aussi, il faut le garage aussi du casino, ok. Pour qu'il arrive, et aussi au moins une voiture à l'intérieur, ok les gars, c'est important. Donc les gars, pour que mon ami fasse ce glitch là, il faut qu'il soit aussi en mode de visée libre, ok. Julien, il était en mode de visée libre. On était tous les deux dans la même session, une session sous invitation, ok. Pour être en mode de visée libre, les gars, vous allez sur mode éditeur, ok. Ou sinon, en mode histoire, vous venez ici sur paramètres et vous changez votre mode de visée en mode de visée libre. Pourquoi on va être en mode visée libre, les gars? Parce qu'il va falloir faire un joy, ok? Faire un joy sur un ami. On rejoint la session d'un ami. Et cet ami-là, comme la plupart des gens ici, ils jouent en mode visée assisté, nous, on va soit, il faut qu'on soit en mode visée différent de la sienne, ok? Du ami qu'on va suivre. Vous pouvez suivre n'importe quel ami, l'ami que vous voulez. D'abord, avant de lancer ce glitch-là, vous cliquez pour rejoindre la session pour voir s'il est en mode de visée différent de la vôtre, ok. Une fois on est arrivé ici, les gars, on va venir ici sur le téléphone et on va faire un appel au valet, ok. On va commander une voiture, au service des voitures. Au moment où on va cliquer pour commander la voiture, les gars, on va cliquer pour commander la voiture, on va aller sur le garage de la suite, ok. De la suite de la terrasse, de la suite d'ici. Une fois, je vais cliquer X pour commander la voiture. Je vais cliquer Start, ok. Il faut faire vite là-dessus, ok les gars. Il faut être un petit peu vite. Regardez bien. Donc, je vais cliquer X pour la voiture. Vous allez cliquer Start,
vite fait, online, activité, jouer activité, créé par Rockstar. Regardez, activité, jouer activité, créé par Rockstar et Guerre de la Haine XXX. Ok les gars, vous cliquez dès que vous arrivez sur les activités, c'est la première, c'est Guerre de la Haine. Vous cliquez XXX. Ok, vous confirmez. Une fois vous allez monter au ciel, les gars, vous allez redescendre. Des fois, les gars, ça n'arrive pas, ok? Ça, là, ce qui est en train d'arriver avec moi, là, des fois, ça va pas arriver. Vous allez être... il va voir juste un chargement à côté, comme vous voyez le chargement, là. Vous attendez jusqu'au moment où il va vous éjecter sous l'accueil de la mission de l'arène, ok? C'est important. Là, moi, je suis bugué. Ça me fait descendre sur la map. On attend. Dès que vous arrivez là, vous avez joué, lancé la mission d'activité, vous attendez, vous ne faites plus rien, ok? Jusqu'au moment où on va arriver sur l'accueil de l'arène, ok? De la mission, de l'activité qu'on a lancée, comme celui-ci là, ok? Dès qu'on arrive ici, les gars, il faut faire vite, ok? Vous cliquez rond pour quitter, dès que vous avez l'option pour quitter, comme là, vous allez quitter rond pour quitter et vous confirmez, ok? Avec X, avec quoi? Vous confirmez. Là, les gars, on va spawn ici. En face. Les gars, c'est important. Il faut que vous aurez aussi l'appel de l'Esther, ok? C'est pour ça qu'il faut être en... Il faut que vous inscrivez au club des motards ou sinon au... sécuritaire, ok? Cette mission-là, cet appel-là, le vert, ok? Celui-là, là, le vert bleu, ok? Du complexe, sous l'émission du complexe. Une fois vous avez ça, vous allez cliquer X, ok, pour aller, pour confirmer l'appel de l'Esther, ok. Voilà, on va confirmer. Une fois on a confirmé, les gars, c'est pas grave, si vous avez pas, les gars, l'appel de l'Esther, vous enregistrez ici tout de suite là sur le CQSR et l'appel de l'Esther va arriver. Là, dès que vous avez le petit rond là, les gars, on va voir un petit truc noir, le petit rond là, vous allez cliquer pour suivre un ami, ok? C'est là qu'on va suivre l'ami. Là, on va voir deux messages. Une, on va refuser. On va accepter, ok? La première alerte, on va accepter. Le second alerte, on va refuser. Et voilà. Et là, les gars, normalement, on va être sous la map, ok? En dessous de la map, ok? Et là, vous cliquez triangle pour descendre. Si vous tombez en dessous, vous cliquez triangle pour descendre de la voiture. Vous allez tomber sur la map et après vous allez spawn en haut. Une fois spawn en haut, c'est bon. Vous êtes bugué, c'est terminé le bug. Ok les gars, le bug il va se terminer ici, là. Et là les gars, c'est bon. On va partir pour rejoindre l'ami qui nous attend. Ça veut dire moi. Donc Julien. Donc là on va partir au bunker, là où on a les voitures, où on va dupliquer les voitures. Ok. Donc Julien il est arrivé. C'est simple. Ici, les gars, vous allez faire qu'une seule chose, ok? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est simple. D'ici, vous bougez plus. Il faut que vous soyez enregistré au club des motards, ok? En arrivant ici, vous allez cliquer sur président du club. Pas avec Interactive. Président du club. Et vous commandez la sans chasse couleur, ok? Vous commandez. Vous cliquez X. Une fois elle est arrivée, le poteau, il va monter dessus, ok? Donc, Julien, il va monter dessus. Il va éloigner. Donc je vais rouvrir le pavé itératif, ok, le menu itératif. Et là je vais commander, dès que j'ai l'option de commander une moto, je vais commander la Fadio, ok. Regardez, hop, là une Fadio, je commande une Fadio. Une fois commandé la Fadio, les gars, vous rentrez dedans, ok. Julien il reste toujours sur la sans chaise, ok, jusqu'au moment où on va dire c'est bon Julien. C'est bon, votre poteau, vous disiez, c'est bon poteau, tu peux descendre de la sans-chaise. Et voilà, il va descendre, ok. Il faut que vous créez une partie aussi vocale. Comme ça, vous n'allez pas se perdre, ok les gars. Donc là, les gars, regardez. Je vais rentrer dans mon bunker. Une fois dans mon bunker, les gars, je vais rentrer dans le centre d'opération mobile. Là où on a la voiture qu'on veut dupliquer, ok. N'est pas oublié, ok les gars. Une fois on est arrivé ici, les gars, c'est simple. Regardez,
Je vais rentrer dans la voiture et je vais accélérer. Une fois on va accélérer, les gars, qu'est-ce qui va se passer? On va voir un écran noir et un petit changement à côté, un petit rond. Ok? À ce moment-là, les gars, on va dire le poteau pour descendre la chaise. Donc, on va dire, poteau, tu peux descendre la chaise. Il va descendre la chaise et là, ça va commencer à charger. On va voir un petit chargement. Dès qu'il va descendre la chaise, le petit chargement comme ceci, là, il va commencer à charger et on va spawn dans le bunker. Ok, les gars? Une fois on a spawn ici dans le bunker, qu'est-ce qu'on va le faire? On va aller direction au centre d'opération mobile. On va cliquer flèche de droite. Une fois on a cliqué sur flèche de droite, qu'est-ce qui va se passer? On va voir le message con quoi il est plein. C'est parce que la voiture elle a bien dupliqué. On clique X, ok, pour accepter. Une fois on est arrivé là-haut, les gars, sur le centre d'opération mobile, on va descendre à pied, ok. On va descendre à pied et on va rejoindre l'ami à l'extérieur encore. Et là, les gars, vous allez enchaîner comme moi, là. Regardez, moi, je vais dupliquer 5 voitures, ok? Les 5 Fadio qui étaient dans mon line noir, je vais dupliquer. Les gars, c'est vite, 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 vite fait à faire, ok, les gars? Vous allez remplir en 20 minutes, vous allez déjà 40 millions garantis, ok? Si vous avez l'Isis, elle coûte 1,8 million pour moi. Si vous avez l'Isis tuné à fond aussi, vous allez dupliquer aussi. Vous allez faire pareil. 40 millions vite fait, ok. Donc là, les gars, je vais encore au motoclub et je vais commander la Sanchez, ok. Sanchez couleur, je commande la Sanchez couleur. Mon poteau il va monter sur la Sanchez, il va éloigner. Une fois éloigné, j'ouvre le pavé itératif motoclub et je vais commander une Fadio. Dès que je commande la Fadio, les gars, je rentre à l'intérieur de mon bunker. Je vais aller à mon centre d'opération mobile et on fait la même manip toujours, ok les gars, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose, regardez bien. Les gars, si vous aimez la vidéo, les gars, n'oubliez pas de liker. Si vous aimez aussi la chaîne, inscrivez-vous sur la chaîne, faites-vous plaisir, ok, vous serez toujours le bienvenu. Et activez la cloche pour ne pas perdre aucune de nos notifications. Donc là les gars, Julien, j'ai dit à Julien pour descendre de la Sanchez. Il a descendu. Je reviens ici. Flèche de droite. Et voilà, les gars. Les gars, la Sanchez, on va pas perdre la Sanchez, ok? On va perdre juste les Fadio. Parce que les Fadio, elles vont être remplacées par les duplications, ok? Normalement, toutes les voitures que je suis en train de dupliquer ici, elles vont à la place à la Fadio. Les Fadio, comme je vous avais montré, à la Renoir, ok, elles sont tous à la Renoir. Et là les gars, regardez, j'en ai déjà deux. J'ai appelé la Sanchez, Julien il va monter, il va éloigner. J'appelle une Fadio, j'ai rentré dans mon bunker. Arrivé à mon bunker, je vais aller à mon centre d'opération mobile. Au centre d'opération mobile, je vais arriver sur la voiture, je vais accélérer. Une fois j'accélère, on va voir un écran noir. Cet écran noir là avec le petit rond en chargement. Voilà, dès qu'elle est en chargement là, on va dire à le poteau pour descendre de la Sanchez. Donc il va descendre de la Sanchez. Une fois elle a descendu de la Sanchez, on va spawn ici. On va encore rentrer dans le centre d'opération mobile. On confirme l'alerte. Donc quoi, il était plein. On va ressortir. Et on fait ça, on continue les gars. On n'arrête pas. On n'arrête pas et vous allez dupliquer vite et fait, ok les gars, ça va être très vite. Vous pouvez me croire. Et c'est plaque propre, ok les gars, ça c'est plaque propre. Moi je poste pas des vidéos plaque sale ici sur la chaîne, ok. Vous pouvez être tranquillement ici, tranquille, tranquille. Ici il n'y a pas de plaque sale. Je ne poste pas des glitches, des plaques sales ici sur la chaîne. Ça c'est, voilà, c'est pas la peine. Parce que je ne veux pas que vous, après, vous aurez aussi bloqué en limite des ventes, vous avez des problèmes aussi avec Rockstar. Non, ça, il n'y a pas de souci. Les gars, les duplications, il n'y a pas d'ébain, ok? Il n'y a pas d'ébainement. Il n'y a pas d'ébainement. Vous pouvez dupliquer tranquillement. La seule chose que je vous demande, les gars, c'est une seule chose. C'est de ne pas vendre plus de 3 voitures par jour, ok?
vend 3 voitures par jour, il vous fait une pause de 45 minutes, ok? Dans la vie réelle, ok, les gars? C'est important. Dans la vie réelle, il faut 45 minutes de pause, ok? Après, vous pouvez revendre une voiture, ok? Donc là, on va dupliquer. J'ai continué à dupliquer, ok, les gars? Voilà, mon poteau, il est là. Comme vous avez vu. Ok, à Julien, il a monté déjà sur la dernière. Ça, c'est la dernière Fadio que je vais dupliquer. Ok, les gars, c'est la dernière. Ça, c'est la cinquième déjà. Voilà, j'ai commandé la Fadio. Je rentre dans mon bunker. Je vais en direction à mon centre d'opération mobile. Les gars, la vidéo, elle est longue, mais. C'est juste pour vous montrer, ok, comment faire ça. Comme ça, vous n'allez pas rater, c'est sûr certain. Donc là, voilà, j'ai dit à mon poteau pour descendre. À chaque fois que vous voyez le petit rond en chargement là, vous disiez votre poteau pour descendre de la moto que vous allez commander, le véhicule que vous allez commander pour lui là-haut, ok, les gars. Donc là, c'est la dernière voiture, ok, qu'on a dupliquée. Je viens ici pour le sauvegarder. Voilà, je vais sortir à l'extérieur avec la voiture. Il y a mon poteau Julien qui est à l'extérieur avec qui m'attend. Donc les gars, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker les gars, ok? Ça fait un énorme plaisir, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez bien la chaîne les gars, inscrivez-vous, faites-vous plaisir, ok? Mets un petit doigt là sur abonné. Vous serez toujours le bienvenu parmi nous, ok les gars? Et activer la cloche pour ne pas perdre aucune de nos notifications. Donc merci à Julien. Julien, il est là. Merci, il était là pour nous aider. Si vous avez des aides, si vous avez besoin d'aide, moi et Julien, on est là, ok? C'est juste nous contacter. Contactez-moi et contactez Julien. Il n'y a pas de souci. Sinon, on vous inscrit sous la communauté, ok? Hyperclone, il y a une communauté Hyperclone. Vous me contactez. Et là, les gars. Regardez, comme je vous avais montré, tous les Easy's ils sont dans mon garage de la Renoir. Comme vous avez monté tout à l'heure, là, tout de suite, là, vous avez vu. Donc, les gars, je vous laisse. Un gros bisou sous les fesses des Hyperclone Gaming. Et ciao, fouille!